Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, tous et toutes, bonjour. Alors, la petite blague minuscule, c'est qu'il n'y a pas de cam pour tout un tas de raisons. La principale étant que je sois crevé, la secondaire étant qu'il fait chaud, que j'ai un ventilo dans le plan de la cam, que les lumières ne sont pas allumées, et donc la lumière qui chauffe, en fait la pièce, bah, elle est éteinte. Du coup, même si je mettais la cam, vous ne verriez pas grand-chose. Et voilà, c'est tout. Voilà. Donc il y a tout un tas de raisons qui font qu'aujourd'hui, il n'y a pas de cam. Parce que flemme. Voilà. Il fait trop chaud. Là, si j'allume les lumières, je fonds en fait. Hein. Le simple fait de m'asseoir, des fois, je fonds. Voilà. Voilà, c'est ça, vivre dans le sud, c'est du 50 degrés à l'ombre. Hein. Salut Ludo, j'espère que tu vas bien. Mais voilà, c'est. Voilà, du coup, on est parti sur une petite nocturne. Mais, du coup, d'une heure. Je pensais lancer un peu plus tôt, mais j'avais quelques truc à finir. Alors j'avoue que là, hors stream, j'ai un emploi du temps littéralement de ministre. Bon, ça va, c'est pas non plus un emploi du temps où je hurle à la mort, hein, c'est plutôt un emploi du temps où j'enchaîne juste plutôt les trucs. Mais c'est la nocturne avant le gros stream vendredi. Sachant que vendredi, on enchaîne du Gardien de la Galaxie, peut-être du LOL. Peut-être un truc pour combler et qu'on finit avec le prochain jeu qui est donc après les Gardiens de la Galaxie. Voilà. Pour ce qui est du stream 24 heures, j'ai toujours pas de date. Et pour ce qui est d'autres projets, normalement il y a une vidéo plus ou moins surprise et qui devrait sortir début juillet. Si je suis bon, elle devrait sortir la première semaine de juillet, mais je serai jamais bon, donc comptez plutôt la deuxième semaine. Voilà, pas grand-chose de plus pour le coup. Voilà. On fait quoi ce soir? Bah, ce soir ça va juste être un peu de LOL, parce que les gardiens, bah, si je les avance en une heure, il n'y aura pas grand-chose, je préfère tout finir demain. Et malheureusement, je peux pas relancer de Pokémon, parce que bah, là, le timing commence à être un peu plus serré, et qu'on a d'autres trucs, entre guillemets, à faire. Sachant que LOL, bah, ça peut servir pour les prochains, comment ça s'appelle? Les prochains tryhards. Parce que le jeu de LOL et le jeu de tir du mois prochain seront des jeux qui seront sûrement plus poussés que les autres en termes de tryhard. Pour une raison très simple, c'est que ce sont des jeux que je vais plus chercher à tryhard de moi-même. Ce qui m'intéresse plus, simplement. Salut Jin, comment vas-tu? Comment vas-tu? Mais voilà. Donc ouais, ça fait un peu beaucoup de LOL. Peut-être que samedi matin, il n'y en aura pas. Ça se trouve, samedi matin, ça se trouve, il n'y aura pas le stream. Donc en vrai, ça compense aussi un peu. Même si celui-ci va forcément être plus court. Parce que moi, à minuit pile, dodo! J'ai fini FF8, la libération. Ah, moi, quand je... Ok. J'ai vu la notif avec Sniff. J'ai cliqué, j'ai vu qu'il y avait du Minecraft son, là. J'étais en mode, ah, c'est pas du FF, ça? Mais ok, la libération, carrément la libération. On voit que t'as kiffé le jeu. Après, je peux rien dire. Quand je sors de Ruin King, j'ai pas le droit d'ouvrir ma gueule sur le jeu que j'aime pas. Je me mettais en forme. Ah oui. Ouais, t'as vraiment pas kiffé, quoi. Ouh. Bah alors, monsieur le chien, il est sorti aujourd'hui? Ah non. What? Ah non, mais il sort demain. Il sort demain. Putain, la lumière que j'ai pris dans ma gueule là. Waouh! Ok. Le chien Naphiri. Naphiri qu'on achètera juste pour avoir le plaisir de le pat-pat sur la faille de l'invocateur, bien sûr. Ok. Du coup, objectif d'aujourd'hui, aucun. Il n'y a pas d'objectif, on va juste chiller un peu. Hop. La scène de LOL, parce qu'on est évidemment organisé. Dites-moi, vous l'avez, c'est nickel. Je pense qu'on va faire des normales. Hein. De toute façon, à 23 h, on va faire que des normales. Ça, c'est sûr. On va éviter que le son me gueule dans les oreilles. On va rester sur Gangplank, parce que Gangplank, c'est cool. Et puis, bah, en fait, objectif, c'est d'éviter de faire de la merde sur notre lane déjà. Après, une fois que cette étape-là, elle est passée. On pourra s'estimer heureux. Putain, il va faire encore plus chaud, mais plus on va avancer, plus il va faire chaud. Pitié, donnez-moi le mois de septembre. Moi, je fais partie de la team des gens qui veulent de la pluie. Peut-être pas de l'orage, mais de la pluie, quoi. S'il vous plaît, quoi. Juste la pluie.
Beaucoup de pluie là. Bah maintenant que tu le mets entre guillemets à jour ton serveur Discord, il va falloir l'entretenir. Hein. Va falloir le booster à fond là. Va falloir chercher les. Comment ça s'appelle? Je sais plus comment ça s'appelle, c'est les boosts, je crois, les trucs roses là. Merde. Gangplank. Ah. Xayarakan. Ok. Nous, on va continuer à ban Darius. Attends, qui nous a littéralement annihilé. Non mais pour eux c'est on s'est tout seul, comme tu me la gueule. Ils m'en servent. Bah ouais, faudra que tu le boostes le tien, faudra t'en occuper, enfin pas forcément le booster avec ça, mais je veux dire. Faudra on va dire le lisser, c'est le terme que je vais utiliser. Pardon. Faudra le lisser pour qu'il soit comme les. On va dire entre guillemets les serfs professionnels, on va dire. Pas vraiment le terme que je donnerais vu qu'il n'y a pas vraiment d'image de vraiment de style pour un serveur mais. Le tien est trop mort. Mais justement, le tien, il faut que tu arrives à le relancer. Moi je sais que tu vas y arriver. Hein. Ah je me fais aucun souci pour que tu arrives à lancer le tien. Ça a beaucoup de pubs, attends d'avoir les. Je sais pas un minimum, mais dès que tu connais pas, t'essayes de dire. Hop! Oh, son cours. Ah! Ok. Après, bon, c'est vrai que les serveurs de commu. Après, ouais, moi j'ai une mauvaise expérience des serveurs de commu pour une seule raison, hein, c'est que je m'en servais pour. Comment ça s'appelle? Pour. Oula, qu'est-ce que j'ai là? Ça, on va fermer. Hop. Je m'en servais pour faire de la pub pour les RP et les gens étaient relativement désagréables. Donc, en vrai de vrai, c'est my bad d'avoir une bonne expérience là-dessus, de toute façon. Il y en a qui sont sympas, hein, mais la majorité que des serfs communautaires, on va dire populaires, sur Discord. Tu passes à la télé, Loki. Moi je suis pas à l'aise à la télé moi. C'est une petite commu, on est 10 à interagir quotidiennement, c'est tout. Ah oui, ok. Et on stream quasi tous. Ok. Mais du coup, vous voyez, bah, c'est du FF. Ok. Et vous restez dans les FF entre guillemets classiques ou vous partez sur les FF genre. Ah, c'est le 16 qui est sorti là. Enfin, ok. Quand moi je dis classique, c'est classique Tifa, Cloud, Tralala quoi. Parce que ouais, je compte pas forcément. Quand je dis FF pas normal, c'est tout le reste quoi. Les deux boules d'un mec. Ah ouais d'accord, on est sur un super pseudo là frérot. Ah félicitations, tu t'es creusé pour l'avoir celui-là. Ça peut donner des vues. Bah en vrai, les vues c'est pas mal en vrai, mais les vues. En fait ce qu'il faut, ouais, c'est bah, c'est ce que j'essaie de faire, c'est d'avoir une communauté plutôt fidèle plutôt que les vues comme ça. Les serveurs comme ça c'est pas mal, mais j'en ai eu un il y a pas longtemps, un serveur comme ça. Ça donne des vues, mais bon. Quand j'ai vu la gueule du serveur après. Bref. Donc c'est un serveur un peu bizarre quoi. Dans lequel je suis encore d'ailleurs. Bon, plus ou moins. Disons que maintenant que la pub a été acceptée, je reste. Mais ça me fait mal quoi, de rester parce que. Il est. Le serveur, il est. Il est vraiment bizarre quoi. Je vais pas trop vous en parler en stream parce que. Because. Parce que j'ai pas envie que tu te reconnaisses quoi, mais bordel. C'est pas un serveur où j'irai interagir quoi. Casu noob. Speedrunner, ça, ceux qui font ces autres RPG. Après, c'est pas parce que tu sais speedrunner un jeu que t'es pas un noob. Enfin, au contraire. Non, dans l'autre sens, pardon, dans l'autre sens. C'est pas parce que tu speedrun pas un jeu que t'es un noob. Noob, t'es pas mauvaise, juste tu speedrun pas quoi. Ça veut pas dire que t'es mauvaise. Xayah, elle peut pas. Ok. Ça me fume la gueule. Attendez, parce que je connais plus les organisations, YouTube. Voilà. Est-ce que j'ai l'air d'être patient? Allez!
Bon, aucun objectif de farm, parce que je suis à chier. On va juste dire qu'on va espérer survivre, d'accord? On donne pas de kill comme les autres fois. Et tout se passera bien. Non, ça, y a pas de lien là? Je vais les étriper. Je suis vraiment une merde par contre. De toute façon, quel niveau 1, ça me fait que dalle. Alors. Je veux dire, quel niveau 1, si je tape, elle se casse quoi. Je peux pas. Après, je vais pas trop avancer parce que je vais pas faire de malin, mais. Ah, donne-le-moi. Non, je l'avais. Mauvaise foi, j'ai mauvaise foi. Je suis un peu déçu du jeu là. Pardon. Mais tu me fais quoi, Kay? Casse-toi! Tu veux qu'on se tape, Kay? Parce que si on se tape. Ouais. C'est ce que je pense. Merde. Pas faire trop le malin. La cruauté est aveugle. Ouais! Le canon! Enfin, la foot, je l'ai dit. Ouais, enfin, si tu me cherches trop, Kyle. Les mots n'ont plus de Enfin. poids face à la chair. Il faut commencer à voir un moment où je vais commencer à riposter, quoi. À ce moment-là, tu vas pas trop kiffer, quoi. Donc, viens pas trop me faire chier, Kyle, quoi. Je ne reviendrai pas à Bon, après, je Bilgewater. suis peut-être un peu malin pour rien. Et dans ce cas-là, my bad. C'est bien de farmer tout tour aussi. Ah, mais des niveaux là? 18, 16. Ça va, mais pas trop de farm pourtant. Vas-y, un petit coup. Okay. Pardon, pardon. Okay, bon, j'ai plus de mana. On va arrêter de faire le débile. Mon écran? Vous voyez pas mon écran? Attends, j'ai vu juste en dessus qu'il y avait écrit chill. J'ai vu ton écran avec une notif. Alors attendez. Voilà. Tiens tranquillement. Non, mais je suis une merde. Stop, laissez-moi vivre. Je m'en fous, j'arrive à me casser. Ah, mais y a Warwick en face? Ah oui, d'accord. Pourquoi je fais trop le malin comme ça? Non, mais Warwick il est en mid lane, on s'en tape. Je m'occupe de ça bientôt. Ok, je vais alt-tab vite fait. Ah, mais oui, il y a deux scènes. My bad. My bad, il y avait deux scènes. Ok. Ah, vous avez bien soutenu un petit streamer, ok. Bah après en vrai, c'était ce qu'on avait failli faire en vrai, toute une époque avec... Tu sais qu'on était sur Among Us, ce qu'on avait failli faire au final. Je sais plus à quel moment... Oui, Warwick, ok, il est pas là, on s'en tape. Je sais plus à quel moment l'idée a complètement cessé de... Ok, 1, 2. Ça n'a servi à rien! Niveau 6 déjà? D'accord. Elle met beaucoup de farm. 38, 27. Ah non, mais pas mal. Ok. 41 follow? GG! Après, je sais plus comment t'étais avant. Donc en vrai, la comparaison, je peux pas trop la faire. Mais GG, parce que ça reste mérité, quoi. Plutôt que tu les mérites, quoi. Il y a des gens qui ont plus et qui les méritent pas, toi t'es bien, toi tu les mérites quoi. Ouais, ok, tu vas pas faire grand chose, mais. En fait, le truc c'est que toi t'as encore tout ton mana, moi je l'ai pas, tu peux me le mettre, moi je peux pas. Du coup, mon outil ça vient pas à ça. Ok, je peux faire gaffe, pas de soucis.
Je suis une merde. Je suis tellement une merde. Donne-moi ça. Ok, moi je vais back, de toute façon ça servira à rien. C'est beau la save champ en tout cas. Non mais ça suffit, oui. Au moins vous avez. Je trouve que vous avez le temps de. J'ai pas mal de toute façon, je peux pas venir t'aider. Voilà, allez, je peux pas aller plus que ça de toute façon. Hop. Mais au moins vous avez vu quel champion est dans la team quoi. Ça va là? Je l'aurais pas. Hein. Je vais leur apprendre à souffrir. Je suis incapable de l'avoir. Hein. Ça sert à rien de chase pendant 10 ans. Moi, elle va back tranquillement. Moi, elle me laisse vivre. En vrai, pour ma lane, c'est cool. Hein. Putain, j'arrive pas à les embrasser. Ah, mais elle est revenue! Oh, mais t'es une malade mentale, Vayne. Enfin, Vayne, Kayle. Leurs larmes saleront l'océan. T'es une malade. Merde. Oh, la pétasse! Pardon. C'est pas bien d'insulter les gens, ne faites pas. Sur LoL, il y a toujours des exceptions. Même pas la. Là, elle fait trop la folle. Hein. Elle va se prendre des tonneaux perdus. Elle va pas comprendre. Faut qu'elle se casse. Hein. Vraiment, faut qu'elle back. Hein. Après, je dis ça, mais elle tient la soleil. Quoi. Elle en a un 9 le tronc. Go, go, go. Bah oui, casse-toi très cher. Chez moi par exemple. Bah en vrai, je sais que je n'ai aucune idée, parce que des fois il y a des. Enfin, de serve en serve, ça c'est sûr que non. Mais de vidéo en vidéo par contre. De temps en temps, je vois des différences entre avant et après que je les ai foutu le lien sur le. Alors, je sais pas si ça vient de moi, hein. Je trouve que ça n'a rien à voir, attention. Mais. Ok, là, vous allez tenir ici. De temps en temps, j'ai l'impression que. Il y en a 2-3 qui cliquent au moins par curiosité, quoi. En vrai de vrai, si ça change quelque chose, je suis content, quoi. De toute façon, ça mange pas de pain de mettre des liens, hein. Non, je l'avais avant le jeu de mauvaise foi là. Elle va mixer comme ça. Les morts n'ont rien. C'est quoi que j'ai eu là? Okay. Je sais pas ce que j'ai eu, mais vous êtes. Après, c'est clair de serveur en serveur, de toute façon, c'est rare les gens qui voyagent de serveur en serveur. Hein. C'est pour ça que le jour où j'arriverai à le rendre actif, on va dire super actif, et que surtout. À avoir fini ce que je veux faire dessus. Ah, je serais quand même bien content, quoi, mais. Ils sont low life, les deux? Ok, ils sont low life, de toute façon, ils vont pas avancer. Ah, je l'ai pas eu. Je suis une merde, mais je suis pas mort. Elle a eu un. Ah, mais elle a eu un kill quand même, là, la Kayle, en fait, derrière. Mais. Putain, mais j'ai une vitesse d'attaque qui me. Défonce la gueule, quoi. Ok, bah go. C'est super gentil, mais moi je vais vraiment back maintenant. Tous les lives plus ou moins en lurk. Pas te mentir que je n'ai pas ce mot dans mon vocabulaire. Alors je sais que ça existe, hein, parce que j'ai déjà entendu le terme quelque part. Mais incapable de dire ce que c'est. Je peux acheter ça. Yes. On s'en fout de s'endetter, on se casse.
Je t'ai maintenant à peu près, c'est cool. Tu veux genre être sur Twitch. Ok. J'ai pas plus de vues sur YouTube. Ah merde. Après là, YouTube, j'avoue que bah là, de toute façon, toi, t'es à un bon rythme. Hein. Ça y est, j'ai vu que t'avais repris le rythme d'une vidéo par semaine. Enfin, je crois que c'est samedi dernier que j'ai pas eu de notif. Peut-être que je me trompe. Il y a un samedi où je me suis dit, merde, j'ai pas eu de notif, c'est bizarre. Je sais plus lequel j'étais, parce que de toute façon, la notion du temps, je ne l'ai pas. Donne-le-moi, putain. La notion du temps, je ne l'ai pas non plus. Ça me pétait la gueule, là. Ok, on va éviter de ravancer beaucoup. On va la laisser avancer tranquille. T'as pas tapé dedans. Le seul moment où je m'étais dit, bah, on va taper dedans, elle l'a pas fait quoi. Fais chier. Allez, casse-toi. Et sur ma lane, il suit très cher. Et ma lane, je ne la perds pas. Bon, je la gagne pas non plus. Il n'y a pas une très très grosse pression. Mais... C'est quoi les stacks que j'ai? Je sais plus ce que c'est les stacks. Ok, bon, elle m'a outfarm, mais tous les gens, moi aussi, ici, il y avait la vision. Je sais pas si je peux la revoir ou pas, mais elle a foutu une vision ici au cas où. Au moins, c'est cool. Hop, on va prendre cette petite vague là et on va avancer. Welcome! Y a Warwick, hein. Au pire, je flash, s'il y a besoin. Il n'y aura jamais besoin de flash. Ok, c'est bon. Je me suis dit, Shyvana, t'as besoin d'aide. Mais faut faire gaffe, on a quelqu'un par ici. Mais je vais clairement pas aller risquer ma vie contre Warwick. Warwick. Ah, mais level 7! Pardon, mais j'aurais pu lui pisser dessus, Warwick, en fait. J'ai perdu mon avis. J'ai. J'aurais pas là-dessus. Bon. Il a claqué un flash. Je pensais que j'allais l'avoir. Un flash et son ulti. Ma haine est trempée dans Bon, oui, je le vois pas. Il est en botlane encore là? Putain, il passe sa vie en botlane, il me fait ma gueule. Parce que mon épaule a foiré. Ah oui, ok. Merde. C'est sûr qu'il y a moins de taf, mais ça veut pas dire qu'il n'y en a pas. Parce que les redifs, enfin. Moi, je sais pas comment tu fais toi, mais moi, les redifs, je les fais quand je peux. Puis surtout, bah, quand même le temps du DL, il y a quand même le temps de l'upload. Je veux dire, c'est pas beaucoup de travail en termes d'efforts, mais en termes de temps, ça bouffe pas mal de temps, quoi. Je sais pas. Quelqu'un, elle est plus là. À la back. Nickel. Allez, au moins mid-life, au moins mid-life. Allez, on back. On back et on dit qu'elle a claqué sa DP. Je porte aussi. Voilà, mais tu vois, je veux dire, rien que le fait de télécharger Twitch et de le mettre en upload. C'est bah, c'est long quoi. Ça suffit à être long quoi. Je te tu mets une intro, une outro hein, sur les redifs. Hein. Moi je suis même pas assez fort. Hein. Pardon, la TP c'est. Hop. Pire plus non plus. Bah, moi je me suis surtout rendu compte. Enfin, je sais pas si c'est que moi qui ai ce problème ou si c'est moi qui fonctionne mal ou quoi. Qu'en fait, si tu n'attends pas l'upload en HD, par défaut il ne les met pas en HD.
C'est-à-dire que du coup, t'es obligé d'attendre en fait que les je sais pas combien de temps que le truc se mette en HD en fait. Ah, je suis bien là! Non! Faut que je me casse, hein. Ça là, ça m'aime extrêmement bien. Hein. Là j'ai Warwick qui me saute dessus, je suis fini, hein, mais c'est encore autre chose. Oh nickel. J'aime la façon dont j'ai survécu, quoi. Alors certes pas mérité, mais. Ouh, putain, mais le dernier coup qui me manquait à mettre, quoi, c'était quoi ça? Là t'as su un peu. Non, c'est une illusion. C'est une hallucination collective. Vous pensez que j'ai su, alors qu'en fait j'étais tout à fait en train de maîtriser mon perso et que je savais ma marge d'erreur. Go, hein, si tu veux avancer, on avance, frérot. Moi, tu me le dis. Moi, vous me le dites deux fois et on avance. Hein. Vas-y, je vais couper le racan. Le prenez pas mal, hein. Moi il me faut 500 serpents en or quoi. Putain le piège de Jinx. Mais Jinx c'est un des persos, si je la joue je suis une merde, si je la joue, si elle est en face de moi par contre je me prends les tollés quoi. Oh putain y'a du monde. Yes. Pas de break. Par contre, pourquoi on est tous au mid quoi? C'est vraiment ma question. Il veut pas qu'on se redivise un peu sur nos lanes là? Qu'on essaye de les amener dans des lanes un peu différentes? Genre, il y en a qui tentent de continuer le top au mid par exemple. Pas au mid, j'ai rien dit. Putain, je suis une merde. Ok, moi je vais me casser, hein. Je reste pas là à saccager ma vie. Pardon. Là j'ai sué. Là j'ai sué par contre. Là oui. Bon là on va faire un 5 contre 5. Les gars c'est pas une arme. D'accord, ok. Personne me suit. J'arrête. Personne me suit. Pas débile là. Hein. Après moi j'ai 1200 gold, hein, ce qui n'est pas le cas pour tout le monde. Pfiouh. Faire du Minecraft, cool. Sur parce que Minecraft il y a plein de trucs différents, mais tu as prévu un truc genre une survie, un truc genre Bedwars ou ça se trouve t'as des cartes un RPG avec un pote qui vient me coacher. Un RPG genre connu ou... Oh putain c'est quoi c'est ça? Merde pardon. Mauvaise touche, my bad. Tu l'auras pas, Kayle! Tu l'auras jamais! Putain, j'ai pas eu sur ça. J'ai pas acheté mon amélioration. Je suis une merde, pardon. Je suis vraiment une merde. Je pense que c'est à Pokémon Réunion, mais tu seras pas là pour me coacher, donc je peux pas y arriver. Il va bien, la suite va bientôt sortir. D'ailleurs, je peux flex 5 secondes en disant que j'ai bossé un tout petit peu pour le jeu. Oh putain, Panthéon. J'ai pas, alors, j'ai pas bossé sur le côté développement ou quoi. Hein. J'ai juste filé un micro coup de main au dev, côté Photoshop. Je suis ravi d'avoir fait. Voilà, je voulais juste flex un tout petit coup sur ça. Mais, ouais, après, j'avoue que j'attends que ça pour l'instant de mon côté. Hein. Oh putain, je suis tellement mort. Ah, le flash pour rien! Yes! Alors Harry, on s'est pris mon ulti? Après Pokémon Réunion, premier degré, même sur mon coaching, tu serais capable d'y arriver. Tu gérerais de fou.
pas où est Kayle, mais... Faut pas sous-estimer. T'as pas besoin de connaître les strats ou quoi pour jouer à Pokémon Réunion. T'inquiète pas. Moi je vais back parce que si je back, je vais aller au Drake après. Shudoken 2. Attends, je suis... Ok. Ouais bon... je le connais pas quoi. J'espère qu'il te plaira plus que... T'as apparemment plus F8 quoi. Je vais les aider. J'ai toujours pas amélioré mon ulti, je suis toujours une merde. Tout va bien. J'ai pas assez bien les forces et faiblesses. Bah en vrai... En vrai de vrai... Je suis sûr que tu dis ça parce que ça t'aide pas... T'as peut-être pas joué à un Pokémon récemment, tu vois. Quel le Drake. Le Drake ou Warwick en vrai, mais bon, Warwick va mourir tout seul, donc en vrai, moi je joue le Drake. Hein. Oh putain, y'a Harry. Go Drake. Hein. En vrai, le truc, c'est voilà, tu sais, parce que t'as peut-être pas joué à des jeux Pokémon récemment, mais je suis sûr que si tu te mettais à jouer à n'importe quel jeu Pokémon, tu gérerais le fou. Je peux tirer là-dessus? Oh, je l'ai tué! My bad, pas mon but, mais. C'est quoi, c'est un Gangplank ou un Nashor qui a? Nashor, on peut pas faire Nashor en vrai. Ah, je vais pas back, ça sert à rien de back. Bon, une petite carry, voilà. Ah putain, faut que je me mette méga loin. Ah mais bon, t'es où? Oh pardon, je suis une merde. Pardon, mais Panthéon a complètement cru que j'étais de son côté. Et moi j'ai complètement cru que Panthéon était de mon côté, quoi. Pardon Panthéon, on est tous deux des merdes, faut le dire. Ah pardon, tu perds un ou deux tours. Attends, quoi? Attends, mais il y a un truc que je comprends pas là. Faut que je paye comment le DLC. Ça, ok. Mais comme ça, tu peux perdre. On peut pas perdre le tour dans Pokémon, c'est pas chronométré. T'as tout le temps qu'il faut pour réfléchir. Et tu t'en fous si les gens ils te disent ouais, tu te fous. Tu mets du temps à réfléchir. Tu t'en fous. Tu joues à ton rythme. Si les gens ils te disent ah, mais tu joues lentement, t'es une noob. Ou s'ils disent que t'es nul, tu t'en fous. C'est ton rythme, c'est toi qui joues comme tu veux. T'inquiète pas, hein. T'as pas à jouer rapidement pour les gens ou... La mer n'a pas de souvenirs. Pardon, je confonds toujours mes touches. Tout va bien. Alors Panthéon, on fait le malin. Encore de la poudre. Par contre, je suis vraiment une merde. Ok, donc Panthéon. Faites gaffe, il est là. Ah non, pas du tout. Ouais, casse-toi, mon pote. Hein. Je crois qu'on push ta zone, Panthéon, vraiment. Hein. Je crois qu'on est en train de te push, Panthéon. Mais je sais qu'il est là, les gars. Hein. GG, quelle heure il est? 29, nickel! Les gars qui se battent dans la base. Non mais, c'est, je me fais carry quand je joue Gangplank, ça me fume la gueule. Hein. Vraiment, j'ai un niveau déplorable, mais les gens me carry, donc en vrai, je... En vrai, de vrai, Shyvana est venue me gank, en vrai, elle avait des bons calls. Je pense qu'elle mérite le super leader. Personne n'était toxique, c'est un miracle. Bravo à tous, hein. Aucune toxicité dans la game, 6000 dégâts, d'accord, j'ai fait le moins de dégâts possible. GG à tous. Voilà, bon, 14-4, 11-0. Voilà, on se fait carry. Je perds des tours et essayer d'être... Ah, non, mais ça, après, bon, si tu joues... on va dire, entre guillemets, toute seule, tu peux très bien avoir un tableau des types. Parce que moi, j'ai commencé, j'ai aucune honte à le dire, hein, mais jusqu'en...
Jusqu'en. C'est quel. Attendez, je vais regarder sur internet vite fait. C'est quelle date ce jeu? Rosap. Attends. Voilà, donc Rosa c'est sorti le 28 novembre. Quoi? Mais pourquoi? Quoi? Non. Ça peut pas être aussi. Non, j'ai pas envie d'y croire. C'est pas aussi vieux quoi. 2014? Quoi? Ok, bon, 2014. Ok, donc là, je viens de prendre 10 ans dans la gueule. D'accord. Donc 2014. Jusqu'en 2014, j'avais ma table des types. Et encore, même 2015-2016, je la connaissais pas par cœur. Il n'y a aucune honte, par exemple, à débuter avec. Rien que pour la simple et unique raison que ça permet d'avoir une espèce de mémoire à peu près visuelle et qui te permet déjà de repérer un peu, au-delà de ce que moi je vais te dire comme mnémotechnique ou truc comme ça va te permettre de repérer en fait quelques faiblesses ou quelques forces. Après, il faut en trouver une récente, parce qu'avec les types faits, etc., il faut trouver une table de type assez récente. Et rien qu'avec ça, et même moi, quand j'ai débuté Pokémon Réunion, bah de 1, je ne me souvenais pas de tous les types. De 2, je les connais toujours pas tous maintenant. Il y en a quelques-uns où je me dis, est-ce que le poison, ça a une faiblesse? Enfin, ça bat le type vol, alors que non, pas du tout, par exemple. Trucs comme ça. T'as plein de petits défauts, tu les auras toujours. Mais t'as largement les bases pour jouer à un jeu Pokémon sans avoir aucun problème, quoi. Salut Ludo, bon retour! MF. MF, c'est mon ADC. C'est mon ADC, quoi. Quand je joue ADC, je joue MF. Si je peux. Si c'est pas ban. C'est un miracle. Mais je joue pas comme ADC, Croco. Qu'est-ce qu'il joue? Il sort Kai'Sa. Oh, Samira en face! Oh, la botlane! Bon courage à vous! Je vais pas venir vous aider, quoi. Samira en botlane, ça va être drôle ça. Et savoir que l'attaque est de quel type. Alors ça, pour le coup, c'est littéralement écrit. Tu peux pas te tromper. Pas d'inquiétude. Après, il faut peut-être savoir, ça tout le monde le sait pas, et je sais plus si je l'avais déjà dit ou pas, quand l'attaque du Pokémon a le même type que le Pokémon, ce qu'on appelle les dégâts en plus. Je sais plus comment ça s'appelle. Ouais, t'as ça. C'est pas mal aussi. Et puis du coup, ben après... Le type des Pokémon en face, soit ça a le nom pour t'aider, soit t'as l'apparence, etc., etc. Puis de toute façon, en ce qui concerne Pokémon Réunion, de toute façon, les forces et les faiblesses, de temps en temps, ça change pas grand-chose. Je teste mon nom en direct. Allez, du coup, t'es signé lundi soir. T'as emménagé dans ton nouveau chez toi, du coup? Ton nouveau chez toi, pas temporaire? Parce que du coup, ouais, tu signes Ni lundi, mais est-ce que l'esclaves, tu t'es ni les emménagé? abysses n'ont eu raison de moi. Gangplank le traître. Bordel, il a fallu jouer à Ranking pour me refoutre en top lane, quoi. Dernière fois que j'avais joué en top lane, en normal, j'avais joué un Mordekaiser Kaiser. Et on m'avait dit, mais frérot, qu'est-ce que tu joues mal? Qu'est-ce que tu joues en top lane? Pardon, pardon. Je me rappelle très bien, ça m'avait choqué parce que j'étais vraiment une merde, quoi. D'accord, avec plaisir. Petite bande de Tokifo. Ouais, des vêtements, c'est tout. Ah du coup, le lit aussi du coup. Merci encore Loki, c'est pas quoi? Alors déjà merci pourquoi parce que moi j'ai rien fait. Mais la top lane, la top lane, la... Oh, Naafiri! Lui, c'est un nommé. Lui, il a vu le nouveau champion, il s'est dit, putain, c'est un banger, je me renomme. On a pris des nouvelles. Bordel. Si tous les gens qui me disaient, à qui je prenais des nouvelles me disaient merci, bah, je n'en aurais pas. Parce que je prends jamais de nouvelles, c'est un miracle que j'en prenne. Hein. Enfin, je le fais en stream quand j'ai la mémoire des noms, en vrai. Mais... Même les gens que je connais, je prends pas de nouvelles de moi-même, quoi. Donc c'est. Je suis pas du tout social. Hein. Il y a un lit, c'est dingue. Oui, un lit, c'est dingue. Quand t'emménages, le nouveau lit, c'est vrai que c'est dingue en vrai.
On sait qu'on n'a jamais pris de ban de Gangplank, hein, mais le jour où on en prend, c'est ciao ciao, on se retrouve de l'autre côté. Hein. Quoique, en vrai, je pourrais jouer un peu Swain, mais. Je sais pas. Swain top, je sais pas ce que ça donne, quoi. Dernière game, après, chut, dodo. Parce que ça m'étonnerait que la game ait duré 5 minutes. Puis même si elle a duré 5 minutes. Puis du coup, ouais, demain, pas de stream. Par contre, ouais, on se retrouve vendredi pour un gros stream. On commencera par les gardiens, on enchaînera sur du LOL, on verra si on a un trou et on finira par le nouveau jeu, qui plaira peut-être pas à tout le monde, c'est un jeu qui. Un ancien jeu, qui peut plaire à des gens ou pas. Moi j'avoue que ça c'est mon plus gros défaut, c'est que moi j'arrive pas à me baser sur la hype des gens pour faire les jeux, je me base sur ma propre hype. Voilà. C'est-à-dire je suis pas du genre à. Si les gens ils disent ouais tu devrais stream, je sais pas. Ni les flammes, ni les abysses n'ont eu raison de Imaginons les moi. gens ils nous. Il dirait, ouais, tu devrais stream Diablo 4 parce que tout le monde joue à Diablo 4. Hein. Ouais, bah, si c'est pas marrant, il joue pas quoi. Ça, c'est un des plus gros défauts parce que techniquement, si on veut devenir connu, c'est un truc qu'il faudrait que je fasse quoi. Mais bon, je me dis que si je suis pas motivé, vous allez vite le voir quoi. Vous allez vous dire, mais putain, mais qu'est-ce qu'il fout sur ce jeu? Ah bah frérot, je rame des vues quoi. Non, on va clairement pas faire ça. C'est pour ça que le prochain jeu peut plaire à des gens ou pas. Le seul jeu que je ferai à temps, c'est Pokémon Réunion. Bon. Parce que je suis un malade mental, ça c'est sûr. On est à 5 jours au sol. Et on m'a donné une bouteille de champagne. En vrai, ça compense. En vrai, je dis ça, je sais pas, parce que moi, le champagne, je sais que c'est pas trop mon truc. De toute façon, moi, les alcools en tout genre, c'est pas trop mon truc. Rien qu'à l'odeur. Autant, j'ai jamais goûté d'alcool dans mes souvenirs. Si j'avais goûté un fond. Bah, en général, quand vous êtes petit, vous avez vos parents ou vos grands-parents qui vous donnent des fonds de différents breuvages. J'en avais goûté un que j'avais vraiment pas aimé. Alors, bon courage pour retrouver lequel c'était. C'était un peu marron clair. Je sais plus si c'était du Porto ou une connerie comme ça, peut-être. Non, pas du Porto. Le Porto, c'est pas marron. Je sais plus ce que c'était. C'était pas bon, c'était un peu sec. En fait, c'est très. C'est pas la même quand même. Ouais, j'ai pas envie d'y croire, c'est pas la même. Vous m'avez pas fait ça. J'ai pas repris la même, parce que là je tiens pas si c'est la même. Déjà, il y a encore une Jinx, il y a encore un Panthéon, il y a. What the fuck? Main est banni. Je sais pas, aucune idée. OZ, on s'en fout, de toute façon, ça change rien à la game. Mais ouais, en fait, c'est très ironique, mais je trouve que tout ce qui est alcoolisé, sans compter tout ce qui est bière ou Monaco, parce que le Monaco, pour moi, c'est considéré un peu comme de la bière. Enfin, j'y connais rien, mais moi, je classe les Monaco dans la même catégorie que la bière ou les trucs comme ça. Ben l'alcool, on va dire entre guillemets le vrai alcool, je le compte vraiment dans une catégorie sec. C'est très ironique, hein. Mais pour moi, de l'alcool, c'est sec. Elle peut prendre 7 500 euros sur la vente? Ah la vache. Ma vengeance sera J'avoue que j'ai sanglante. jamais compris comment du champagne pouvait être aussi cher, quoi. Je veux dire, pour moi, c'est une boisson comme une autre, voire c'est mauvais. Et j'avoue que j'ai jamais compris. C'est la règle du marché, de toute façon, c'est comme ça. Mais. Je suis en train de prendre les dégâts pour lui. Ça m'avantage pas des masses. La barre. Hop. Ok! Bon, j'ai des pommes. Oui. Par contre, ça c'est très bon conseil. Ok! Bonjour tout le monde! C'est moi! C'est bien. Bien commencé en tout cas. Thank you.
dégâts qu'elle a pris sur un tonneau. Ok, c'est cool ça. On est pas idée, pour la vente. Ah oui. C'est spécial ça d'avoir des cadeaux, mais pour. Genre pour un objectif quoi. Oh, je l'ai pas eu, je suis vraiment une merde, mais bon. Ok, bisous Ludo, à plus. Repose-toi bien et profite de ton chez-toi. J'ai pas essayé de trop avancer parce que même si j'ai l'avantage, je le ressens pas. Je le ressens pas spécialement comme ça, bizarrement. Pas dans le cave, mais tu veux venir me chercher en fait là? Jetez-les au requin. Putain, j'ai pas vu. Ça sert à rien de jouer sous ta tourelle de toute façon. Faut que je la laisse farmer un peu de toute façon, je pourrais rien faire de plus. C'est qui a pris la botline, ok. Ouais, pourquoi pas. Oh, je l'ai eu tellement sur le timing. Ah, oh, je suis refait là. Dans mes veines coule le sel et les embruns. Oh, je suis refait, j'ai plus de ferme qu'elle. Bon, c'est à 4 minutes de game, mais rien à foutre. C'est qui le jungler, c'est... Ok. Ok, ok, ça marche. Ils seront récompensés d'une mort lente. Ouais, ouais, casse-toi, c'est ma lane ici, ok? T'es ici chez moi. Là, je trouve... Oh putain, mon lance. Oh salut! Tu m'as loupé! Là, tu vas pas me louper. Hop. Si tu me cherches trop, tu vas me louper. Bon, donc j'attendais pas ce qu'elle arrive. Ok, je vous dis, elle va être là. Ah non, pas du tout. Non, son back. Mais elle a cancel son back pour me lancer une putain de boule là. C'est quoi ce monde? Laisse-moi vivre un peu, non? Lilia, elle s'appelle Lilia. Je confonds toujours avec Nico, mais bon. Bah heureusement que j'ai pas de Nico contre moi parce que vous savez que je serais pas avec Nico. 1 2 11 secondes, ils vont être sur ma tourelle. On va attendre. Jamais je m'entends bien avec vous. Si on m'avait dit qu'un jour des gens que je connaissais pas, ils s'endormaient sur mon stream, je pense que j'aurais pas cru. Y'a rien à foutre des dégâts que tu me mets, je suis sous tourelle, tu pourras jamais me tuer de toute façon. Je sais pas mon niveau 6, c'est froid de back comme ça. Je back pas sur mon niveau 6, c'est quoi cette merde? La mort n'a pas voulu de moi. Putain là! Ce qui n'est pas très étonnant. Faudrait que j'arrive à avoir le canon. Ah mais il pète les mains. Ok, nickel. J'aurais tellement dû l'avoir. Je m'en fous, moi je suis connu pour pas mourir sur mes lanes. Ma haine est trempée. J'aurais tellement dû l'avoir. Où est Panthéon? J'ai vu qu'il était AOP. Non, j'aurais tellement dû l'avoir. Cassez-vous de là! Vous allez clairement pas vous profiter pour farm la tour comme ça parce qu'ils sont pas là. Hein.
Pardon, my bad. C'est con, hein. Je confonds mes touches une fois sur deux. C'est encore toi? Non, jure! Putain, j'ai posé mon tonneau beaucoup trop tôt, je suis vraiment une merde. Okay. Bon, moi j'ai personne sur ma lane. Aucune idée si elle a buff ou pas. Ah bah oui, elle est back. Quiconque me tourne le dos, invite mon poignard. Un allié a été tué. Les mots n'ont pas de poids face à la chair. Il y a toujours gaffe à Lilia. Elle peut arriver à n'importe quel moment. Mon but, c'est juste de farmer pour l'instant. Une marée de cadavres saluera mon retour. Elle est chante de fou en vrai. Est-ce que c'est... Attendez. Ok. Les petites barres sous ma barre de vie, c'est donc... Mettons-nous. Il l'a eu. Les hommes et les océans trahissent. Et hop. Ok, bon, elle m'a légèrement dépassé en forme. Je vous l'accorde. Ok, Ziri est morte. Si Ziri était pas morte, j'aurais claqué mon ulti en botlane. Tu vas prendre des dégâts, Kayle, hein? Je sais pas à quel rythme, je sais pas comment, mais tu vas les prendre. Toucher la gorge n'est pas assez douloureux. Oh, je suis une merde. Je vais graver mon nom sur leur... Non, ma potion, trop tard! Putain, je suis une merde! Ma potion, elle était... Bah alors là, Panthéon... Pardon. Panthéon, t'es vraiment dans la... T'es vraiment une merde. Panthéon, t'es vraiment une merde. Bon, après, j'ai claqué mon ulti comme une merde aussi, faut le savoir. Mais Ok, go. Sera sanglante. Ok, c'est celui qui est par là, quoi. Donc je vais pas aller dans la jungle, risquer ma vie pour un Panthéon qui est niveau 9, qui plus est, donc qui a mon niveau. Qu'on
dépendent au quai abattoir. Barrez-le. Merde. Merde. Tu tombes sur des Kyle au top, dis donc. Oh bah, en vrai, ça me pose pas trop de problèmes, parce qu'au moins, elles ont un gameplay assez passif au début de la game. Donc en vrai, ça me va. Après, quand elle commence à up, elle commence à me casser un peu les pieds, tu vois, mais... Qu'est-ce qu'elle veut, quoi? Laisse mes tonneaux tranquilles. Au moins l'avantage c'est qu'avec Gangplank, avec Panthéon dans les parages, même si j'avais claqué ma potion, j'aurais pas survécu quoi. Ok, bon elle met toujours 30 CS dans la gueule mais je l'ai pas là par contre. Oh, allez. Ok. Ma pitié est morte quand mon navire a coulé. Dans mes veines coule le sel. Yes, l'assist. C'est la méta ou quoi? J'en crois jamais. Bah après, je sais pas ce que tu fais comme game, si tu fais des normales, des ranked ou... Mais là, c'est des normales ici. Yes, je l'ai eu. Bon, ça va, elle arrive pas à me niquer tous mes tonneaux non plus. Parce que c'est pareil, des gangplanks, je suppose que techniquement, tu dois en craser peu. Je crois que c'est pas du tout méta. Mais du coup, techniquement, moi j'en crois tout le temps parce que c'est moi, quoi. Il est à moi, il est à moi, il est à moi! Paf! Salut! Alors moi, niveau farming, elle me met une distance. Mais avec mon passif d'avoir plus de gold quand je tue les cryptes, en vrai, elle me distance pas de trop. En vrai, avec Gangplank, je peux me permettre d'être une merde. Tu sais qui m'a dit attention? Rengar? Genre pour... Ah oui, non, parce que toi, t'es dans la merde. Est-ce que je peux le sauver? Je vais essayer d'aller l'aider pour le sauver s'il y a besoin. Là, je sens qu'il y va, quoi. Meurtre en série ennemie. Est-ce que j'ai l'air d'être patient? Il n'y a pas d'autre chase. On va attendre mieux. Un peu des deux. GP non jamais. Un peu des deux. Ah! Oh putain! Je flash par sécurité, j'ai pas envie de tenter quoi que ce soit. Oh bah. Fais ton emoji très cher, mais si je tombe sur toi, t'es dans la merde. Hein. Alors recule de là, on va pas aider ton jungler là. Prends tes dégâts et casse-toi! J'ai un ulti si jamais. J'oublie rarement. Oh, je suis une merde. Bon, je serais pour qu'on se casse en vrai là. Hein. Je sais pas vous, mais je vois pas l'intérêt de continuer. Ah!
trop corps à corps, je peux rien faire. Oh, moi je vais tellement mourir si je fais rien là. Oh, vous voulez pas que je me casse, hein. GG. Oh, il y a des micro-lags. Des micro-lags, c'est possible. C'est fort possible. J'avoue que je n'en ai absolument aucune idée. Mais c'est une possibilité que... My bad. Hop, comme toujours, je me trompe. C'est une possibilité que je ne saurais dire impossible, vu que... Oh putain. T'es de retour, toi, déjà. Ah, mais du coup, elle prend des kills, tout. Pour l'instant, tu me feras pas encore grand chose, Kayle. J'espère que c'est que des micro lags et que c'est pas des lags, on va dire, trop conséquents. Ok, oh, ok. Ok, alors reste là, moi je m'en fous. Putain, sous ton aile là, m'a mis ça? C'est violent un peu. Putain. Les mots n'ont pas de pouvoir face à la chair. Pardon? Je bac là, ça me chauffe un peu quand même. Une marée de cadavres saluera mon retour. J'ai peut-être fait un peu de la merde. Donc j'ai clairement merdé. Après, on va jamais avancer plus que ça. Ouais, c'était un peu précieux en vrai, ça. Hein. Oh! Il y a longtemps, là. Bon, j'ai un peu grid, mais c'est bon, on fait des dégâts de temps en temps quand même. 1, 2, 6, c'est pas génial, mais... Putain, mais on se push là ? C'est quoi cette merde là? Attendez, je suis mort au seul timing où on se fait push de fou. Putain, je peux rien faire. Ok! Bon bah j'ai compris. De toute façon, moi j'impacte pas une. Moi j'ai. Ah bah. Pardon. J'impacte aucune game, moi. Moi, je lance ma game, et entre guillemets, je la subis. Dans le sens où ça va être le niveau de mes mates qui vont différencier. Moi, je vais être là un peu en support avec mes ultis et quelques tonneaux par chance, mais... Je suis tellement lent pour savoir jouer Gangplank que... Comptez pas sur moi pour être efficace, quoi. Après, ça va, elle est bien, le mid, là. Je sais pas où est-ce qu'il a été chercher autant de kills là, bah. Si je ne peux la voir, alors je brûlerai. T'as l'autre qui est en train de push là.
Alors, je vais pas réussir à te placer beaucoup de tonneaux, Kyle, mais tous ceux que je vais te placer, tu vas les sentir passer, quoi. Leur trancher la gorge Ah n'est oui. pas assez C'était sûr, ça. Mais c'était sûr, en fait. C'était sûr. Putain, ça vraiment. C'est quoi cette chance? Alors, en vrai, il y a une part de chance où elle arrive à me catch-up mes tonneaux aussi. Elle a failli me niquer. On va pas jouer. Oh putain. Elle a vraiment lancé un ulti pour me slow là. Putain, mais... Oh putain. Oh, mais vous me voulez... Oh, j'en ai tellement rien à foutre. Oh, je surviasse. Ouais, mais de toute façon, 3 contre 1 là, moi je peux pas grand chose. Hein. Sniff. Je vais perdre mon statut de laner intuable, quoi. Putain, la Jinx, ça m'a fumé la gueule, j'ai même pas eu le temps de réagir, quoi. Putain, j'ai quasiment le même score qu'un support, ça me fume la gueule. Comme quoi. Ah putain, une putain de mouche. Laisse-moi jouer tranquille. Pardon? C'était quoi ça? Tu m'as fait quoi, Gangplank, là? Moi, je m'assurais qu'on avait une certaine vision. Comment ça, vous voulez que je back C'est vrai qu'elle est en train de faire sa petite vie, là, à la game? Ah, mais d'accord. C'est vraiment la merde, là, où vous êtes, quoi. Putain, vache! Mais la Jinx, elle est... Je peux même pas la fuir. Mais bah non. Bon, moi ça va, on aura fait deux games, une bien et une moins bien, quoi. Bon, c'est peut-être temps de faire quelques dégâts maintenant, ok. Donc on se bouge, on fait des putains de tonneaux! Ok. Putain, mais le temps de poser un tonneau, quoi.
J'ai le mort. Hein. J'ai le mort, mais ils ont été meilleurs que de toute façon. Putain, 6-3 quoi. Vache. It was a good game en vrai. Mais ce qui est un miracle, ce qui reste un miracle, c'est que personne n'a été toxique. De mon point de vue, ça reste un miracle. En vrai de vrai, qui c'est qui est venu m'aider? C'était Harry. Wenger, hein. Il est pas tout seulement venu. Voilà. Hop. On a fait. Ah, on a quand même fait quelques dégâts quand même, ça va. J'ai pas été non plus à chier, quoi. Ok. Bon, ça va en vrai. Ok, ok. Bon. Ok. Un peu le seum, mais en vrai, ça va. Ça arrive. Hein. Faut savoir que dans les trucs qu'on tryhard, de temps en temps on a des trucs bien, de temps en temps non. C'est comme ça, quoi. Ok. Du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on se laisse là. Moi, je vais me reposer tout ça. Demain, je sais plus ce que je vais faire. J'ai programmé des trucs que je dois faire, etc. Normalement, demain, je suis censé entamer quasiment la fin des Apple Awards. Hein, plus ou moins. Enfin, les Apple Awards seront prêts à temps. Voilà. Ils auront normalement un peu setup. C'est-à-dire que vous devriez voir une augmentation. Ils ont step up un peu. Si j'avais pas de Jinx. En vrai, c'est marrant, ils ont tous mis. Bon, maintenant j'ai Jinx, je m'en tape. Hein. Mais ouais, du coup, vous allez avoir ça. Vous allez avoir un Panthéon qui est en préparation. Il y a un Panthéon qui est en train de les tourner en vidéo. Actuellement. Attendez, vous voyez pas le dossier, c'est bon, c'est nickel. Track. Il est là, voilà. Voilà, bon, j'en ai pour plusieurs heures, quoi. J'essaierai de vous en faire un petit résumé sympathique. Voilà, un truc sympa. 1, 2... Putain, ça lag. Ok, j'ai compris. C'est vraiment une mise à jour qui m'a niqué un peu le truc. Mais ouais, du coup... Du coup, vous allez avoir, ouais, en termes de YouTube, pas mal de choses. Une petite surprise début juillet également. Si tout se passe bien. Si tout se passe bien, c'est important de le dire. Et du coup, nous, on se retrouve pour le prochain gros stream vendredi. Donc, normalement, trois trucs. Samedi et dimanche, normalement, il y a un petit stream aussi. Mais vendredi, voilà, vendredi, comme c'est l'après-midi dispo, on essaiera de faire un stream toute l'après-midi pour faire quand même un peu la dernière fois. Puis de temps en temps, il y aura peut-être des gros streams qui popperont pendant mes vacances, peut-être, je vous tiendrai au courant. L'avantage d'être en vacances, c'est de pouvoir bosser aussi, donc étant donné que je ferai des montages, je ne serai pas tout le temps dispo pour pouvoir stream, ça aussi, c'est une réalité. Et donc voilà, donc du coup, normalement, pour ne pas vous donner de faux espoirs, soyez à peu près prêts à me voir vers 13h-14h jusqu'à 20h, vendredi. Voilà. Et on commencera par les Gardiens de la Galaxie. Et on ira jusqu'à la fin de ce jeu vendredi. Je vous laisse là. Moi, je vais me reposer un peu. Et bah ouais, on se retrouve du coup. Demain, vous avez une vidéo YouTube qui sort. La suite de Ryan King. Alors, je ne sais plus quelle vidéo c'est. Je peux vous la teaser vite fait. Hop. Je crois que Ryan King, c'est pas du tout mon let's play préféré. Mais comme c'est celui qui est en cours, vous allez en bouffer jusqu'en septembre. Désolé pour ça, hein. Vous avez vraiment bouffé beaucoup. C'est quoi la dernière? Ah, c'était les araignées. Oh, pété d'air. Oh, pété d'air, quoi. La prochaine que vous allez avoir, c'est le premier boss qui était difficile dans mon let's play. Voilà, 1h03 de vidéo. J'espère que ça va vous plaire, en vrai. De toute façon, le montage est très basique sur les Ryan King. J'espère que je ferai mieux sur la Resident Evil. Ok. Ouais, ça fait quand même jusqu'en septembre. Ça me laisse une petite avance pour monter Resident Evil, mais pas tant que ça, mine de rien. Pas tant que ça. Donc j'espère que j'aurai fini de préparer Resident Evil avant quasiment octobre. Je l'espère, je le souhaite. Mais voilà. Et du coup, après Resident Evil, c'est quoi? C'est les Gardiens de la Galaxie, c'est pareil. On aura un certain temps pour les préparer, en vrai. De toute façon, bref, on verra bien. Je vais pas rester 10 ans sur ça, on s'en fout. Voilà. Donc, prochaine vidéo, c'est le boss difficile. Bonne soirée, Jean. Bonne soirée, tout le monde. On se retrouve vendredi sur le gros stream. Non, pas plus loin pour ça. Je vais me perdre. J'ai encore un truc à faire avant d'aller me puter. Donc, les amis, on se retrouve
tout simplement vendredi après-midi et demain sur YouTube. Et samedi, sur YouTube également, samedi, vous avez le Panthéon. Le Panthéon Mario Maker. Voilà, voilà. Les amis, on se retrouve demain. Portez-vous bien, passez d'excellentes vacances. Ciao, ciao tout le monde et à bientôt!